Aujourd'hui, vous avez choisi l'espérance en me... En me... Ça revient. Et regardez, vous voyez, ça recommence. Regardez-moi. Mais regardez-moi bien en face, regardez-moi, là, bien. Il y a éthique par hasard? Non, il n'y a pas de tic. Il y a éthique? Il n'y a pas de tic! Déjà, à l'époque, nous avions des présidents dérangés. Alors, vous êtes psy et vous n'avez pas d'enfant? Quel rapport? On ne couche pas avec ses patients, vous savez. Ne pleure pas, petit cochon! Tu vas chez Moléon devenir de la saucisse, du saucisson! Je vais essayer d'être simple. Freud, donc, a démontré que le tic spasmodique chez le mâle adulte était la simple manifestation théâtralisée d'un conflit d'objets interne prépubertaire. Devriez consulter, hein? Mais j'y penserai, excusez-moi. Vous devez le tuer, lui pardonner et ensuite l'aimer à nouveau. Ça fait un peu beaucoup. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je préférerais le tuer un autre jour. Ah! 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 Pouf! Exterminé. Vous êtes entre le délire mégalomaniaque systématisé et le trouble de la personnalité narcissique. Mais je ne sais pas lequel des deux je préfère. Hein. Vous n'avez pas à choisir, vous avez les deux. Le visage grave, le regard provoquant. Nous devons nous rendre compte que nous sommes en face de l'homme le plus puissant du pays. Vous devez être notre mâle dominant. Oh, ne me parlez pas comme si j'étais un gorille. Mes chers compatriotes! Oh. Ne les effrayez pas, ils vont vous voir en gros plan. C'est toi qui choisis. En cas de besoin, je serai là. Vraiment? Oui. Je serai là pour te tenir la main, celle du chef.